Stop living your Christian life in the closet. Écoutez, ne vivez plus votre vie chrétienne dans un cachot. Get a little bit out. Ouvrez-vous. Because you have in you, you have with you. Okay, vous avez en vous the power to change lives. Le pouvoir qui change des vies. Yes. Jesus Christ. C'est Jésus lui-même. The giver of life. Le donateur de vie. So today I want to give you guys a short story. Okay, aujourd'hui je vais vous donner une petite histoire. It's in the Bible. C'est dans la Bible. And I'm really excited for the time we're going to be spending with the young people this week. Okay, je suis très excité pour le temps que nous allons passer avec tous les jeunes cette semaine. It's going to be amazing. Ah, ça sera merveilleux. We're going to be talking about unpacking your potential. Nous allons parler de débloquer ou ouvrir vos potentiels. You know, I always believe every single person has a potential. Je crois toujours que toute personne ici a un potentiel. Why? Because God, parce que Dieu, God is the one who gives you the potential. Parce que Dieu est celui qui te donne le potentiel. See, only God in the Bible, in history, in all of humanity, only God is referred to as omnipotent. Vous savez, dans l'humanité, il n'y a que Dieu dans l'univers, il n'y a que Dieu qui est référé comme l'omnipotent. What the word omnipotent means? There's two words in omnipotent. Qu'est-ce que ça veut dire omnipotent? Il y a deux mots dans le mot omnipotent. Because the first word means omni. Le premier mot c'est omni. O-M-N-I. O-M-N-I. Omni means completing, having everything. Cela veut tout simplement dire omni, veut tout simplement dire complet, avoir toutes choses. So that's why you have something called omniscient or omniscience, meaning knowing all science. C'est la raison pour laquelle vous avez le nom comme omniscient, qui veut dire connaissant toutes choses. Connaissant toute la science. That's why you also have the word omnipresent. Comme on parle encore omniprésent. Which means that you are everywhere at every time. Qui veut dire tout simplement vous êtes partout. And that's why you also have the word omnipotent. Et il y a encore un mot omnipotent. So the word omni means having everything. Le mot omni veut dire avoir toutes choses. And then there's the word potent. Alors il y a un mot potent. Which comes the word potential. Qui vient du mot potentiel. God, who created the universe, the stars, who created every single planet, created the ants, created the mountains. Le Dieu qui a créé tout l'univers, qui a créé toute la galaxie et toutes choses. That guy, ce même Dieu, is referred to as omnipotent. Il est référé d'être un Dieu omnipotent. See, when God created everything, alors quand Dieu a créé toutes choses, everything you see, tout ce que vous voyez, he still refers to himself as omnipotent. Il est celui qui continue à se référer comme l'omnipotent. That is so good, you don't understand. See, God took everything that he had in him. Cela veut dire, c'est très bon, vous ne comprenez pas. Dieu a pris tout ce qu'il avait dans ses mains. He created the universe and the world. Il a utilisé cela pour créer l'univers. And he still calls himself omnipotent. Et à ce continuer comme une bengue, oh my goodness, wow. À ce continuer comme une bengue omnipotent, c'est-à-dire, à bénir, c'est déjà mis aussi. Mais à ce cas, comme une bengue omnipotent, c'est-à-dire, à ce moment, ma capacité, et les cas, il a dit. You understand what I'm saying? Est-ce que vous allez comprendre, mes amours? Because. Pourquoi? Parce que le potentiel is what you can do but you haven't done yet. My goodness, le potentiel, c'est ce que vous devez faire mais vous ne le faites pas. C'est ce que vous pouvez faire. C'est-à-dire, vous avez ma cassia pour ça, la mort, mais pour ça, qu'on ignore tout, pour ça, la montée. So, when somebody said, you have a lot of potential. Alors, quand quelqu'un vous dit que vous avez plein de potentiel, that means you haven't done it yet. Cela veut dire, il y a des choses que vous n'avez pas encore utilisées. Qui sont dans vous? Your history is not your potential. Écoutez, ton histoire, ce n'est pas ton potentiel. Your potential is always your future. Ton potentiel attrait à ton futur. So what you can do is part of your potential. Ce que tu peux faire, ça fait partie de ton potentiel. So when we serve a God who's omnipotent. Alors, écoutez, lorsque nous servons un Dieu omnipotent. After he's created and he's done everything, he's walked on water, he's drank bread. He said, what you see, I can do more than that. Écoutez, après avoir créé tout l'univers, marcher sur l'eau. That's the God who's omnipotent. Ça veut dire Dieu qui est omnipotent. Amen.
donné Dieu qui vous a créé. He gave you also potential. Il vous a donné aussi des potentiels. So in every single one of you guys here. Afin que dans la vie de tout un chacun de vous, men, women, hommes et femmes, regardless of your age, sans tenir compte de votre âge, those who are closer to die, those who are closer to death, those who are older, même les gens qui sont plus âgés proches de la mort, and those who are younger, même ceux qui sont nés aujourd'hui ou ceux qui sont très jeunes, you still got potential. Vous avez un potentiel. Man, that's something to be excited about. Alors, mais je suis encore très excité. That's something to be excited about. Ok, alors je suis, il y a quelque chose qui est être pour lequel je suis excité. You know, something, so we want to go to the Word. Alors nous allons partir dans la parole. And there's a story that I love in the Bible. Il y a une histoire que j'aime dans la Bible. It's the story of Lazarus. C'est l'histoire de Lazare. So, you know, one thing that I learned preaching with my dad. Alors, il y a quelque chose que j'ai appris et prêché avec mon papa. We lately, one thing we decided to do is to preach on very well-known stories in the Bible. So, okay, nous avons l'habitude de prêcher dans le fait plus les histoires qui sont beaucoup plus connues dans la Bible. Right, because when you speak to a bunch of people who've been around Sunday school, you know, you graduated, you got the goldfish and everything. Vous savez quand vous parlez aux gens qui ont été dans les codimes, tout ça, vous pensez sur la vie de Lazare, va être déjà Lazare. Exactly. Jonas, qui va y aller normalement, Jonas, donc Lazare, qui va y aller, pas tellement sur l'histoire, mais pas tellement sur l'histoire. See, you guys already are familiar with the story. Alors, beaucoup de gens parmi nous sont familiers avec ces histoires. This is one of the great stories in the Bible. Alors, il y a des grandes histoires dans la Bible. My prayer today, ma prière aujourd'hui, it's not for me to come tell you the story. Ce n'est pas pour vous raconter des histoires. Because if that was the case, you could just go read the story by yourself. Yes, so yes, c'était pour vous raconter des histoires. Alors, viens lire vos histoires à la maison même. My hope, mon espoir. My hope is for me to get a principle. Alléluia. Mon espoir. Pour ce que j'ai ma tâche, que j'ai détiré le principe from this story, de cette histoire, that I can take from the first century story into the 21st century world. Ok, que je vais prendre du premier centenaire jusqu'à la 12e centenaire aujourd'hui. À la 21e siècle. Yes, 21st century. 21e siècle. So, one of the things I love about this story. Hello. Is we can actually find this story if you guys go with me to okay. John. Nous pouvons aller ensemble avec moi dans le livre de Jean. We can go to John chapter 11. Jean chapitre 11. It's a great chapter. I would encourage you to read the whole story. Yes, c'est un grand chapitre. Je vous encourage de lire.